matin. Eh ben, dites donc, je me suis couché avec un président, je me réveille avec un autre président, de là à penser que je suis un homme à président, il n'y a pas loin. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Eh oui, il n'y a pas que la télévision française qui se paie son président, nous aussi, on a notre président de bon matin, il est là, mon président. Ce n'est peut-être pas le président de la France, mais le président des Hauts-de-France. Oui. Et franchement, ça déchire sa mère. Ah nous bon. Aussi, on a notre dialogue citoyen, mais pas des citoyens triés sur les volets. Nous, on est au téléphone, en direct, à la bonne franquette. Ouais. On ne va pas faire des menoules, on est entre nous, il y a du café sur le feu, vous reprendrez bien une petite bistoule pour la route. Eh oui. 100 jours déjà que mon président, et que de souvenirs déjà. Que de souvenirs déjà. Ah bon? Excusez-moi, je suis perdu dans mes pensées. Mais je vois. 100 jours déjà et on n'a rien vu passer. Ah, le temps passe vite avec mon président. En parlant de temps, n'avez-vous pas remarqué qu'il est des saisons, le temps? Il y a eu des giboulées en mars, on est en avril, on a chaud et froid. Oui. C'est grâce à lui, mon président. 100 jours déjà. Avez-vous vu la photo de mon président sur la page Facebook de France Bleu Nord? Oui. Vous avez vu comme il fait président, mon bon président? Le regard altier, le qui fixe le lointain. Des contrées que nous n'osions imaginer il y a peu, Saint-Quentin dans l'Aisne, Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise, ces villages tellement éloignés de nous autrefois, c'est chez nous aussi maintenant, ouais. C'est chez nous. Nous ne l'imaginions pas, lui le savait, mon président. Nous sommes bien petits. 100 jours et pas une dispute, pas un mot de travers, le beau fixe, quoi. Est-ce qu'il est différent des autres présidents, mon président? Bien sûr qu'il est différent. Essayez de vous souvenir de l'ancien président, ouais. Daniel. Comment déjà? Voyez, on s'en souvient plus. C'est... Eh bien, je vous mets au défi de me raconter ce qu'il faisait de ses journées. Tandis que mon président, on sait, il suffit de s'abonner à Twitter, vous pouvez le suivre partout. Au Paris-Roubaix. D'accord, vous êtes sur Twitter, vous? Oui. D'accord. Des potrons minés à la gare de Beauvais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a des gens qui vivent à Beauvais. Oh, bon, non. Ils prennent le train tous les jours pour se barrer de là, mais ils reviennent le soir, un jour sans fin. On le voit à la foire au boudin de Saint-Quentin. C'est bien d'essayer de préserver les traditions. Ouais. Parce qu'il n'y en a plus tellement des foires au boudin maintenant qu'il y a mythique. On le retrouve sur le port de Dunkerque pour soutenir le programme d'importation de bananes. Un programme appelé la banane durable. Mon président a la banane durable. Je laisse à votre imagination le soin de faire le reste. Et ce matin, il est avec nous, mon président. On va trop se faire des selfies en mode Kevin sur la toile. Je kiffe trop d'avance. Je me souviens plus de votre question, mais je m'en fous, c'était ma réponse. Faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui.